Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Let's Play Multi Battlestar Galactica sur Vassal Engine en compagnie de Jace Gaming, Codran, Bubu et le Girac. Bonjour tout le monde. Salut à tous. Salut à tous. La partie est en forte progression. C'est à toi Xalorian justement, vas-y. Je pense que c'est le dernier épisode comme on disait tout à l'heure. Ouais, je sens. C'est des chances. Ok, ben du coup je vais me déplacer, on a deux jeux. D'ailleurs s'il faut il va durer 2 minutes. On a 2 Cyan Ships dehors, effectivement. Bon, je me déplace ici. Tu peux les regarder et les déplacer. Ouais, ouais, mais pour le coup, comme il n'y a pas d'ennemis déjà en jeu, de toute façon, je vois pas trop l'intérêt. Eh bien, on a des Vipers dans le hangar. Tu peux les déplacer les deux en bas. Oui, on en a deux. Tu peux les déplacer les deux en bas, Xalorian, comme ça, ils seront protégés par des Vipers s'il y a une attaque, alors que là, ils le seront pas. Ah, ok, c'est vrai, les Vipers apparaissent en bas. Ouais. Ok, je vais les regarder, du coup. Oh, ça va, c'est même pas stressant. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un de carburant, j'imagine. Non. Okay. La populace. Donc, carte crise. Ouais. Carte crise qui nous fait perdre un fuel. Ok, non, heureusement. On veut l'avoir. Non mais il y a Bubu qui vient de sortir une super crise qui nous fait perdre du fuel. Alors, ah oui, ça alors... t'inquiète, il va nous la sortir. Défendre un prisonnier. 11 plus jaune vert, si ça passe rien du tout, si ça rate, moins 1 de morale et 4 ou moins, le joueur en cours est exécuté. Et on avance de 1 la piste de préparation au saut. Bon, bah, du coup c'est un vote, on est obligé de le faire. Donc, add to skill check. C'est à Bubu de mettre sa petite carte positive pour nous aider. D'accord, bon, donc tout dans le positif par contre. Hein. Oui, bien sûr, oui. C'est parti. Jaune, vert. Oui, il n'y a pas de souci. Allons-y. Jaune, vert, j'hésite. Attends, je vais mettre ça. Voilà. C'est jaune. Ok, Codran. Enfin, moi, je peux rien mettre, moi, donc je passe. Les Girac. Quelques-unes. Allez. Ah, deux cartes, celle-là. Trois cartes. Celle-là est importante. Celle-là. Voilà, c'est tout. Quatre cartes. Ok. À moi. Donc je vais mettre celle-là. Voilà. Et Xalorian. Ok, t'as mis combien de cartes? Juste une? Mm-hmm. D'accord. Je vais mettre... Je pense que je vais mettre beaucoup de cartes. genre absolument toutes mes cartes. Vas-y, fais-toi plaisir. Même les engineering. Même les tactiques. Non mais c'est lui le Cylon hein. Bah peut-être qu'il peut se tuer hein. Bah oui mais on perdrait... Oui pourquoi pas. C'est bon. Ouais c'est fait. Alors... Moins 3. Moins 5. Moins 8. Moins 9. Ah moins 5. Moins 9. Moins 8. Moins 7. Moins 6. Moins 4. Merde, c'est l'une sur l'autre. Donc moins 2. Moins 1. Plus 4. Plus 9. Ah putain. Oh, plus 4. Oh non, je suis mort, merde. Ouais, c'était juste. C'est dommage. Bon, bah, tu l'as exécuté. C'était très mal joué, Xalorian. Pourquoi?
Parce que mourir exécuté quand tu es un Cylon, c'est là que tu perds tous les avantages à être un Cylon. Ouais, ben en fait, là, l'histoire, c'est que comme je savais que Codran allait de toute façon me airlock, je voulais faire perdre le plus de morale avant de me retrouver là-bas, parce que de toute façon, d'accord, ça allait revenir au même. Le tour d'après. Donc, on perd un de morale, des crises. On lance, tu lances un dé, Xalorian. Ouais. 4, donc tu es exécuté. Tu défausses toutes tes cartes en main. Ouais, si j'en ai pas, mais bon. Ah oui, j'en ai une. Tu vas rejoindre ton petit si copain, Bubu. Si vous êtes un Cylon, tu la montres. Tu la montres. Tu la mets sur le plateau. Voilà. Tu aurais pu endommager le Galactica. Et voilà. Tu aurais pu faire 5 dégâts au Galactica quand même. Sachant qu'il y a un truc aussi, si le Galactica prend 8 de dégâts, il est détruit, c'est perdu. Hein. Il y avait ça aussi que j'ai oublié peut-être de préciser. Ok, du coup, tu vas au vaisseau Résurrection. Avec ton camarade. Je fais quoi avec mon autre carte loyauté du coup, même si... Alors, les cartes loyauté, maintenant tu les donnes aux autres joueurs. Tu la donnes à un autre joueur. Bon, de toute façon, on sait que vous n'êtes pas un Cylon, ouais, vu qu'il y a deux exact, cartes, vous exact. Êtes un Cylon et qu'on les a vues. Ouais. Donc, révélation. Donc, discard toutes tes cartes compétences. C'est l'épisode du dénouement, là. C'est la fin de la série, là. Les cartes titres sont passées dans la ligne de succession, tu n'en as pas. Tu es placé là. Tu reçois une carte. Non, tu as été exécuté, donc tu ne reçois pas de carte super crise. Il faudra que tu la pioches au prochain tour si tu en veux une. Tu donnes ta carte loyauté, c'est fait. Le mutin, il n'y a pas de carte mutin, on n'est pas avec la bonne extension. Et le tour se termine tout de suite, il n'y a pas de crise. C'était le moyen moral, par contre. Il y a un autre moyen de morale comme je suis mort. Non. 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 C'est parce que tu es un Cylon, on perd pas de morale. Eh oui, on est content. Ah. On sourit, on danse. On avance de 1. La préparation au saut. On discarde la carte crise. Bubu, pioche tes 3 cartes. Et c'est donc il n'y a plus de Cylon normalement. Ils sont révélés tous les deux. Il n'y a plus de Cylon. Non. Mais ça n'exclut pas pour autant qu'on risque de crever de toute façon. Oui. Vu l'état dans lequel on est. Le président était un humain. Quand j'ai commencé à avoir passé beaucoup de cartes ingénierie, je me suis dit c'est soit les Girax, ouais. Soit c'est. Mais quand j'ai commencé à mettre les cartes ingénierie, je fais ça depuis le début de la partie, mais j'en mettais juste une à la d'accord, fois quand, début, quand ça pouvait passer. T'sais. Mais là, le problème, c'est que c'est arrivé un moment où je me suis dit ah, tout ce que je peux faire pour saboter, c'est une carte ingénierie, mais je suis le seul qui peut en mettre. Fait que je vais espérer que ça passe comme si c'était les destinées. Mais là, j'ai mis une seule carte bleue. Ouais. Puis c'est retourné qu'il y avait deux, il y avait cartes, deux cartes bleues de la destinée. Exact, ouais. Voilà. Donc là, je savais que à ce moment-là, bien, Jace, bien, je savais bien. Pour sûr. Tu sais. Là, j'étais merde. Mais dans ce alors, cas-là, vous, pendant ton tour, pourquoi t'es allé aux communications? Pourquoi t'as pas utilisé ta carte Cylon pour te révéler et endommager 5 fois le Galactica? Je pense qu'il voulait attendre le plus longtemps possible. Non, mais là, c'était ça l'erreur. En l'occurrence. Ouais, j'aurais pu me révéler sur le coup. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Donc j'ai fait. C'est très... attends, mais Bubu. Oui. Attends, Bubu, t'as fait quoi là? Oui, j'ai posé ma carte. C'est une crise majeure ça? Tout à fait. Ça c'est une crise majeure ça. Alors pour faire une crise majeure, tu dois te déplacer à Caprica et activer le lieu Caprica pour faire ta crise majeure. Bah, je viens de t'y déplacer là. En même temps. Merci. Attends, c'est ça une crise majeure? Non mais ça c'est pas la pire. Voilà. Ah oui oui bah donc, oui. Donc on va perdre un de morale et on va endommager le Galactica 2 fois. Donc wow. 1. Quartier de l'amiral, merde, je finis en Sick Bay. Ah zut, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Deuxième. Je suis pas sur le Galactica. Commandement. Ok. Et c'est tout. Ok. Discard. Du coup c'est à toi Codran. Alors moi je vais prendre mes cartes. Donc Bubu, tu ne peux pas retourner au vaisseau de résurrection pour repiocher les cartes super crise, c'est fini. Hein. Tout à fait. Je vais prendre un ingénieur du coup. Hop. Alors. Moi je suspectais Codran au début. Ouais mais moi on me suspecte souvent mais ouais. Au final c'est jamais moi. Ouais. En prendre note, c'est ça.
coup j'avais hésité. Alors, j'ai pour bien rappel, fait de m'arrêter en fait. C'est d'arriver à 8 de distance sans mourir. Et une fois à 8 de distance, c'est écrit ici en fait. Une fois à 8 de distance, on saute. Et si on arrive jusque là, on a gagné. Oh putain. Mais vu qu'on risque d'arriver à 0 de fuel avant, c'est-à-dire au prochain jump, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on perde la partie là. À moins qu'on arrive à regagner du fuel. Ça va être vraiment tendu. Alors, moi je peux regarder une carte. Je peux regarder la prochaine carte crise. Ouais, vas-y. Donc je dis crise la carte. Ou je la monte sur le plateau, non, c'est ça? Hop. Non. Alors tu joues ça, oui. La carte crise, tu la mets dans ta main. Oui, non, mais je n'allais pas montrer la carte crise, oui. C'est juste ça. Ah, pardon, d'accord. Ouais, ouais. Et les Girac, d'ailleurs, t'es le seul à avoir de l'ingénierie. Oui. Enfin, après, les deux lieux qui ont été pétés, on s'en fout un peu. Tu peux les laisser endommager au pire, c'est pas grave. Je peux réparer le hangar. Même si je suis dans le hangar, pardon, autant pour moi. Non, je vais rester où je suis. Je pense que Peux pas vous la dire, la carte crise. Bah, de toute façon, je vais la mettre, non? Bah, non, soit tu la remets sous le paquet crise, soit tu la remets dessus. Donc, en gros, soit tu la joues pas maintenant, soit tu la joues maintenant. C'est une crise de toi, merde. Pas trop violente. Voilà. Non, si non, si c'est une crise qui nous fait perdre du fuel, tu la joues pas. Oui, oui, non, mais je sais, ouais. Ouais. Bon, de toute façon, voilà, bon, là, c'était. Ça m'a compté combien, ça? C'était une action, la carte? Mais non, Caudran, t'as fait une bêtise. Il faut lancer un dé pour faire le scout. Ah merde! Bah, je le lance ou pas? Donc, lance ton dé, vas-y. T'es raté. Donc, on perd le truc et tu remets la crise sur le dessus. Peu importe, oh non! Que tu l'aies vu ou pas, c'est celle que tu joues. Bon bah merde. Donc, non, mais ça va, c'est celle qu'on joue. Oui, mais non, j'ai rien dit. Bah, du coup, c'est celle qu'on joue. J'ai rien dit parce que. Oui, c'est celle ouais, qu'on c'est joue. Celle qu'on joue. Bah, par contre, j'ai pas bougé, moi, j'ai pas fait mes actions. Bah, c'était ça ton action, c'était la carte que t'as jouée. Exact. La carte action. Bon. Voilà. Pas d'effet. Ou moins un moral, moins un de nourriture. Donc alors, c'est un skill check. Moi je pourrais pas appuyer. On met les deux cartes dans le skill check. De moi je vais façon. Pouvoir un tout petit peu appuyer. Je vais même pouvoir, ouais, pas mal appuyer même. Les girafes. Ah si, je peux appuyer. Avec une carte. Pour des. Ouais, je vais mettre des cartes. Une carte moyenne. Alors. Préventive policy peut être utile plus tard, peut-être pour protéger le fuel. Du coup, je vais mettre ça. Ça et. Je rappelle, c'est jaune, vert, violet. Non, vert, je vais garder. Je vais faire ça. Voilà. C'est bon. Ok, donc à moi. Je vais mettre Ah merde, ça c'est trop tard. Ça je vais le jouer, ça aussi. Et ça ira très bien. Deux cartes. Après c'est 10, hein, je sais pas. Zalorian, tu peux mettre une carte si tu en as une. Non, je vais la garder ma carte. Bubu, tu peux mettre une carte si tu veux. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. C'est une grosse 5 là. Non, parce que quand Bubu dit on va se faire plaisir, il met un moins 1 donc. Ouais. On verra, hein. Écoute, on verra. Hein. T'as raison ou pas? C'est sa façon de nous aider, il ne met qu'un moins 1. Oui. Voilà, allez, je vous aide les gars. En fait, Bubu est un gentil si long. Je vous aide. Ah, là, c'est parti. Vas-y, Caudran, alors bon. Il y a un truc qui est intéressant, c'est de jouer avec à 7 avec la variante Leader Cylon. Donc il y a un joueur, c'est un Leader Cylon, il est Cylon dès le début, sauf qu'il reçoit des cartes objectifs qui lui sont personnelles, qui sont du type vous gagnez si les humains gagnent la partie mais qu'ils ont au moins 5 Vipers endommagés. Donc du coup tu dois aider les humains à gagner, faire en sorte qu'ils aient 5 Vipers endommagés, et du coup ils sont là, on a gagné, et là tu fais, et non, c'était mon objectif donc c'est moi qui gagne. Wow, c'est okay. Vraiment un truc de pute. Bon. Ouais, mais indirectement, les humains sont quand même arrivés. Donc, voilà. Alors, non, ils ont perdu. Ils ont perdu. Plus 3. Mon 0. Ça, c'était Bubu. Oh, il y en a 2. Moins 3.
Alors ça c'était la crise. Ah, on sait plus là. Moins 2. Moins 1. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus c'est minable. 5, donc c'est raté. Mais c'est minable. Non mais les trucs à 1. De toute façon, hein. Je suis un président. Alors. Je ne demande pas tout, mais tout. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, du coup, on perd un de morale et un de nourriture. Alors là, Did aurait été exécutée maintenant, en fait, si elle était toujours humaine. Voilà. Voilà. Et on aurait découvert. Du coup, pas de piste de préparation au saut. Donc, on discarde. Et c'est au joueur suivant, les Girax, c'est à toi. Tu peux, si tu as un discours enflammé dans les cartes Quorum, ça serait assez concept. Touchez ça. Oh, magnifique. User in your channel timed out. Oula, ça c'est pas bon. Oups. Signe. C'est bubu ça. Alors déjà je vais piocher ma carte Quorum. Bubu s'est endormi sur son clavier, je crois. Pauvre. Bubu a été sorti TS. De quel pourquoi? Où est-ce qu'il est parti? Je sais pas, on voit plus. Il a dû être déco, je pense. C'est un timeout, ouais, il a été déconnecté malheureusement. Ça, c'est gênant. Timeout, ouais, mais c'est quoi? Enfin, je veux dire, tu restes tant que tu restes, non? Ah, mais faut que je fasse un GD, c'est chaud ça. Bubu, où es-tu? Du coup, en silence, qu'on peut toujours utiliser notre habilité une fois par partie? Non, tu ne peux plus utiliser ton truc une fois par partie, c'est ni dommage. Normal. Eh oui. Il est toujours dans la partie sur Vassal, donc je pense pas que son. Ah, remarque son Skype, il est en hors ligne. Alors, à moins qu'il ait été déconnecté ou qu'il ait dû partir en catastrophe. Il disait qu'il était malade, mais j'espère que tout va bien. J'espère qu'il va revenir surtout, parce que là, on risque d'être bloqué pour finir la partie. Et oui. Bah, remarque, s'il faut, avant la fin du tour, on va perdre. Hein. Peut-être, ouais, mais on sait jamais, on va voir. Non, mais vas-y, continue, parce que pour l'instant, il peut rien faire. Donc, ouais, surtout qu'il y aura une action de lui, on ne pourra pas se faire à ce moment-là, mais... Et puis son tour, c'est tout à la fin, entre temps, il va peut-être revenir, on va voir. Ouais, il pourrait ajouter des cartes à la discours enflammé. Il faut que je fasse un GD du coup. Donc lance un D, voilà, à 6+, on regagne un de morale. Allez. Est-ce que quelqu'un a eu une planification start trop tard? Oh joli. On regagne un de morale. Yeah, ah, yeah. Et du coup, cette carte est retirée du jeu. Ouais. Alors, attendez, comment est-ce que je fais? J'ai la discard. Discard, voilà. Elle est discard juste. Ok. Exact. Putain, si t'avais pu me donner un ordre d'exécution, ça aurait été bien aussi pour que je me déplace. Je fais une bêtise. Et t'as pioché une carte quorum ou pas? Oui, t'en as pioché une. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai supprimé mon nom. Ton? Mon président. Ouais, bon. Ah. Bien. J'ai eu peur. Toujours pas de bubu? Ouais, c'est. Ouais, c'est... Bon, on verra, peut-être qu'on... Sans prévenir, quand même. Oui, oui, ouais. Non, mais c'est clairement un problème de connexion. Ouais. Alors, du coup, carte crise, les Girac. Parti. Et pas de fuel bizarre. Ah, d'où la crise. Elle est là. Mon dieu. Non. D'accord. Oula. Donc tu choisis. Soit tu défausses 5 cartes compétences, soit on fait le test à 8+. Et tu choisis un personnage qui sera envoyé en prison. Je fais supprimer mes cartes. On va pas prendre le risque de perdre un... Eh, j'ai la carte de président. T'es quel joueur, le Girac? Le 2. J'ai envoyé au 4, je crois, sans faire exprès. Alors, attends. Moi, je pourrais... Je pourrais pas du tout appuyer, moi. Donc... Garde. Moi, non plus. Moi, de toute façon, je vais piocher qu'une carte au tour d'après. Hein. Garde.
voir. Je peux supprimer une carte. Comme il y a eu une discarte de 5 cartes, ça n'a pas d'importance. C'est obligé de skill check. C'est obligé que ce soit ce skill. Hein. Ouais, je vais supprimer celle-là. Je crois que j'ai deux executive orders. Je peux en supprimer peut-être une. Non, je vais garder au cas où. Discard. Hop, c'est bon. Et au fait, t'as pioché ta carte supplémentaire ? Ah non, bah je vais le faire. Du coup, on a besoin d'aide en quoi ? Du coup, tu peux la rediscard dans la foulée, on dirait. Vu pourquoi ? Que tu devais discard 5 cartes après. 5 ? Ouais, bah je discard que 4. Et oui. Ouais, bah je vais en prendre une. Ok, j'ai compris 4. Bah, okay. T'es pas obligé de la piocher en fait, au final. Tu peux oui. Peut-être la laisser là-bas, quoi. Non, mais c'est pour le symbole. Tu la rediscard dans la foulée, quoi. Ah, en plus, ça a été bien. Yep. C'est bon, tour suivant. Ok, donc, attends, activation des raiders, il n'y en a pas. Activation de la piste de préparation en saut, on avance. On discarde la carte. Du coup, c'est à moi. Je ne pioche qu'une carte. Putain, on va crever. Ouais. Ouais. Du coup, je me déplace, vu que je peux sortir de l'infirmerie. Je vais aller... Pff, je sais même pas où est-ce que je peux aller. Moi. Bah, j'ai comme foutre au weapon control. Voilà. Et en action, je donne un ordre d'exécution à Caudran. Ah. Donc je fais ce que je veux. Non, voilà. Enfin, soit tu fais effectivement ce que tu veux, soit je le donne à Légirac pour qu'il puisse peut-être activer deux fois son lieu et piocher plein de cartes quorum et essayer de jouer quelque chose, peut-être qu'il nous fera regagner du licence ou quelque chose comme ça. Vas-y. Donc c'est mieux, je pense. Essayons. Gaius, du coup, tu peux activer deux fois ton lieu pour piocher une carte, la jouer ou piocher deux cartes, et avec la deuxième action, faire la même chose. Donc tu peux piocher jusqu'à 4 cartes quorum. Tu auras bien du fuel bonus. Bon, déjà, j'en piocher. Si tu pouvais avoir du fuel bonus, ça serait cool. Donc j'en pioche deux, on va dire. Comme ça, je peux en piocher deux après. Pas, c'est correct, ouais, aussi. Voilà. Hein. Voilà. On ne déplace pas. dès qu'il parle, il y a des trucs qui bougent. C'est le fantôme. On appelle ça la télékinésie. Télékinésie vocale. Et de la nourriture, mais pas de l'essence. Merde, dommage. Bah, je peux quand même lancer la nourriture au pire ou continuer à piocher. Je vais continuer à piocher. Voilà, c'est bon. On aura essayé. Ok, donc c'est ma carte crise. Peu de cartes intéressantes, malheureusement. Pour notre problème. Oulala. Non, ça va. Donc, le président choisit, c'est toi, Légirac. Moins un de nourriture, ce qu'on peut supporter. Ou le président défausse deux cartes et le joueur en cours défausse trois. Je pense qu'on a trop défaussé de cartes ces derniers temps. On est vraiment en train de s'exposer. Adieu la bouffe. Du coup, voilà, adieu la bouffe. Heureusement qu'on avait de la réserve. Ressources. Hein. Ouais, heureusement qu'on l'avait fait remonter. Et ah, c'est la merde. Un lapis de préparation. On discarde ça. Et du coup, c'est à Ocylon. Donc fais-toi plaisir. Non. Prêtre. Alors, du coup, j'ai le droit de piger une carte, c'est ça, au début de mon tour. Non, trois cartes. Ouais. Ah, ok. Comme tu veux. Les cartes. Ah non, pardon. À l'endroit où tu es, tu en pioches qu'une. Ouais, c'est ça, parce que je suis au réception. D'ailleurs, à Bubu, on s'est trompé. Alors, je pige une carte de n'importe quelle couleur, c'est ça ? Comme je suis sinon. Mais... Ouais. Oui. Okay. Ouais. N'importe quelle couleur. Une on s'était trompé avec Bubu. Ça veut dire qu'on s'en est pris dans la gueule plus que prévu. Oh, putain. Ouais. Ok, ensuite, je vais bouger. Si on perd, on dirait que c'est de sa faute. T'as pas pris de carte super crise ? Mais c'est pas c'est une action d'en prendre une carte super crise ? Oui, mais c'est au lieu où tu es. Oui, oui, mais est-ce que je peux bouger plutôt au lieu de faire cette action-là ? Tu peux te bouger, mais t'auras pas de super crise alors. Oui, non, je sais, ça va. Comme tu veux, hein. C'est juste les cartes les plus puissantes du jeu, mais c'est pas grave. Oui, mais je me dis, du coup, je peux aussi vérifier la prochaine crise directe. Donc, on va avoir un impact direct si je vais sur le Human Fleet. Je regarde la première crise. Donc, si je vois que c'est un effet sur le gaz ou quelque chose comme ça, je peux directement, tu sais. Non, puis le pire, c'est qu'on va... Tu peux faire ça aussi. Je me dis, j'ai peut-être plus de chances de vous faire perdre un gaz comme ça que puis j'ai une super crise qui sera pas utilisée tout de suite, non? En fait, je sais pas, c'est ma logique. Juste question, le saut, on saute quand on veut ou...
Bah là, au prochain truc de préparation, ça va sauter automatiquement. Ah oh, bordel. Donc là, on n'a pas le choix. Ah ouais. Oh, bordel. Ça aurait été quand même épique. Mais là, donc, vous... active le lieu où tu en es. En faisant votre dernier saut, ce que je me demande, c'est est-ce que vous pigez une carte destination ou... Oui, vous avez là, on en pioche deux. Puis, alors, pas pour le tout dernier. D'accord. Pas pour le tout dernier. Pour le tout dernier, il suffit juste de déclencher le saut et d'accord, c'est d'accord, je comprends. C'est gagné. Voilà. Donc là, en gros, on ira tous dans le Pegasus et on va tous défausser nos cartes comme des porcs si on arrive jusque-là. C'est pas mal, ça. Du coup, je vais une action, démonter le Pegasus, tu sais, pour réparer le... Bah, tu fais l'action qui a décrit sur le lieu où tu es. Le vaisseau du président. C'est-à-dire, non, mais je l'ai déjà fait, j'ai pris la carte Crisis, mais je vais la mettre sous le deck. Donc comment je le fais, ça c'est, je vois pas l'option. Tu fais clic droit, move on the bottom of the deck. Ah oui, ok. Directement. Bon, voilà. Donc, fin de mon tour. Est-ce qu'il y a une Crisis quand même à mon tour, même si je suis sinon? Ou... Non, non, il n'y a pas de crise à la fin de ton tour. Non, ce serait au tour de Codan, du coup. Bah non, Bubu. Non, Bubu. Mais le problème c'est qu'il est pas là. Donc, et vu que c'était à son avantage là, avant, et ben on va passer le tour. Allez. Mais voilà. Non, c'est pas ça qui va nous sauver. Hein. C'est simplement parce que voilà, il a pioché 3 cartes alors qu'il devait en faire qu'une à plusieurs reprises, donc on saute son tour. bah du coup, c'est à moi. Non mais de toute façon sur Skype, je pense qu'il est parti définitivement parce qu'il était malade, il devait avoir un mal de tronche pas possible. Ouais, et ouais, c'est ouais, quand ouais. Même 2h du mat quoi. C'est clair. Je sais pas si je prends leadership ou engineer. C'est toi qui vois. Ah, je sais pas du tout. On a des trucs à réparer mais je pense non, ça on va le laisser. Non, ouais, ouais. Ça vaut pas le coup de dépenser. Pas maintenant, ouais, donc j'ai pris un leadership. Je vais regarder ça. Tu peux donner un ordre d'exécution au président pour qu'il pioche à nouveau 4-4 com pour essayer de voir si on peut sauver les meubles. Attends, alors je lis attentivement parce qu'on sait jamais. Là, il y a tout qui se joue au moindre truc. Je peux risquer un Raptor encore pour voir la prochaine carte crise. Ouais. Éventuellement. Attends, déclare emergency. Non, ça c'est un truc. C'est vraiment pour la. Pour un skill check, non? Ouais, ça réduit la difficulté par 2. Ça pourra toujours être utile au cas où. Puis après, c'est des manœuvres de la baston de pilote. Des trucs qui, je crois, ne seront pas trop utiles. À notre survie pour le moment. Je me serais bien battu quand même. Bah du coup. Ouais. J'ai pas trop le choix là. Je pense que je vais. L'engine room. Est-ce que je reste dans l'optique où on passe ce saut? On essaie de sauter et puis on voit ce qui se passe quoi. Sinon, hein, mais. Si t'as pas d'ordre d'exécution. De toute façon, on va bien avoir une crise qui va nous faire avancer si jamais tu le fais pas. Moi, je pense que tu ferais mieux de garder tes cartes compétences en main. C'est ça, ouais, je pense, ouais. Et de pas bouger du tout du Pegasus. Là, je suis bien là où je suis. Parce que là, je pense que votre plus gros risque, c'est de merder une crise qui fait perdre. Du fuel, de l'essence, exemple. Le jump peut nous achever. Ouais. Hein. Le jump peut nous achever tout simplement. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça, à mon avis. Ouais. Donc, je vais pas bouger, je vais rien faire. J'aurais juste pris mes cartes, c'est déjà ça. Ça permettra peut-être de résister à une crise, on sait jamais. Du coup, bah, carte, crise. J'ai rarement fait de partie où on utilise aussi peu d'actions. Il y a eu plein de fois où on a passé sans faire d'action, quoi. Ouais, d'habitude, chaque action doit être optimisée au maximum. Ou j'aurais peut-être pu regarder la prochaine crise. Il n'y a pas eu trop d'attaques non plus. Pu regarder la prochaine crise. Non, tu peux pas. Ah bah oui, il y a plus de Raptor. On a plus de Raptor. On peut pas risquer de Raptor. Bon bah, hop, hop, hop. Oh putain, le chat. Allez, qu'est-ce qu'on va se prendre? Oh putain. Aïe. Non. Dans un moral et le. Ouais, et tu défausses ta main. Unexpected réunion. Alors, donc, add to skill check. On aurait pu s'en passer. Le paquet destiné. Add to skill check. Voilà. Je peux d'ailleurs, on va reshuffle tout ça.
pas y mettre grand chose. Voilà. Et voilà. Ah bah d'ailleurs, c'est l'heure. Mmh. Je pensais que ça serait le dernier épisode. Ça va être le suspense pour le prochain épisode. On va le faire vite fait. On va le faire vite fait. Skill check quand même. Donc c'est à toi les Girac. Est-ce que tu mets des cartes? Bah, je peux en mettre, mais peur que ça fasse peu par rapport à de grosses cartes qui peuvent tomber face aux ennemis. Je sais pas, vous suivez ou pas? Vous avez les moyens? Ah oui, oui, moi j'ai. Absolument, je faisais vraiment, j'ai les moyens de ouf. Tu verras. J'ai pas les moyens d'aller jusqu'au bout, mais plus que la moitié, ouais. Bon, avec plus de la moitié, ça me va. On va tenter. De toute façon, dans tous les cas, de toute façon, on perd. Enfin. Perdu quoi, donc. Voilà, j'ai mis 2. Sinon, je peux activer la carte pour qu'il y ait des trucs ingénieurs, si... mais il n'y a pas d'ingénieur parmi nous donc. Bah moi j'ai un truc d'ingénieur mais je sais pas. Bah ça dépend si ça vaut beaucoup de points ou pas. Mais ça changerait quoi de faire un truc d'ingénieur là en fait? Non mais c'est qu'en fait les cartes ingénieurs elles compteraient dans la crise. Enfin, elles compteraient positif. Ah oui non c'est... une carte de pilotage qui serait négative. Ce qui peut être bien imposé juste pour embêter ceux en face quoi. Ça peut peut-être vous sauver grâce au. Je pense que ouais. Ça augmente vos chances que les Destiny Check. Vas-y, ouais. De toute façon, c'est nos derniers tours, je pense, donc. Ouais, on pose. Autant utiliser avant qu'on le regrette. Allez, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Donc, à moins, je peux rien mettre. Pas de problème. Quoique, allez, si je vais mettre ça. Je vais mettre ça parce qu'on risque pas de l'utiliser. Voilà. Et du coup, Xalorian, mets une carte. Non, je garde ma carte. Bon, et Bubu, bah c'est chiant. bon. C'est pas grave. On va dire qu'on a on a une aide finalement vu son absence. Et mais c'est, à mon avis, ça nous fera pas gagner non plus quoi. Enfin, tout va dépendre du jump. Ah, c'est tellement préparé. Bon, là, il y a pas de jump, Romain. Ouais, si jamais vous gagnez, je suis seul à perdre, donc c'est pas vraiment très grave. Allez, voilà. Ouais. Non mais ce serait pas une vraie victoire. Hein. Vas-y, fais tes comptes. Ouais. Ce sera pas une vraie victoire, on s'en est quand même pris plein pas mal dans la tronche. Hein. Plus 2. Ah, pas été si facile. Plus 4. On va faire trop. Plus 7. Plus 9. Et plus 8. Ça passe pile. Ah, pile. Ouais. Pas d'effet. Ouais, quand même. J'ai bien fait de mettre ma carte ingénieur. Oui, ouais, oui, pas oui. Du coup. Ouais. Voilà. Discard. Du coup, c'est. Alors. On va s'arrêter là, hein, de toute façon. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, c'est à l'Egirac et on s'arrête là. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé. Et puis, à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Ça devient chaud. Ouais. Y a pas un moyen pour moi de jouer le personnage de toute façon de. Dis au revoir, Xalorian. Non, moi j'ai coupé. Au revoir.